Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui, oui, on est encore sur l'île Disney, elle est toujours pas finie, mais presque. Non bref, on est quand même presque sur la fin. D'ailleurs si vous aimez Animal Crossing, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Et tout de suite, bon, on est presque sur la fin sur, pas l'île Disney j'allais dire, sur le château d'Elsa. Oh my god, franchement on aura quand même pas mal galéré pour cet endroit là. Et du coup c'est parti, je vous montre, j'ai tout enlevé et tout refait avec le motif. Et en vrai, c'est pas mal, il y a juste la transition qui me plaît pas. Mais évidemment c'était sûr qu'il y avait des choses qui allaient pas plaire hein. Mais la transition me plaît pas parce que ça fait un peu trop net. Je sais pas du tout ce que je pourrais mettre comme, je sais pas ce que je pourrais faire comme transition. Je sais pas du tout. Bref, n'hésitez pas si vous avez une petite idée eh ben, à me la suggérer. Ensuite, oh j'ai oublié, regardez, j'ai oublié au niveau du pilier arctique, en haut à l'étage, de mettre du motif purée. J'ai oublié. Bon, c'est pas très grave, je le referai. J'ai rajouté des gyroïdes pour intercaler entre les lampes jacinthe, j'allais dire les lampes jasmine, n'importe quoi, les lampes jasmine. Peut-être parce que j'avais envie peut-être de faire aussi Jasmine, Aladdin sur l'île, bref, mais j'ai plus de place, j'ai plus du tout de place. Mais voilà ce que ça donne, j'ai remplacé vraiment tout au-dessus, et puis vraiment partout, il y a juste un endroit qui me plaît pas. Donc il y a les transitions, et il y a un autre endroit, il faut absolument que je vous montre. Vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai pas encore modifié parce que en vrai, j'étais un peu crevée quoi, j'ai rush jusqu'à je sais pas quelle heure à tout enlever et tout refaire. Voilà ce que ça donne, j'ai mis des gyros, j'ai essayé de les mettre dans les teintes bleu, vert, blanc, argent. Pour ça y est avec le thème. Bon, c'est clairement pas très joli avec, avec les sapins, enfin avec les cyprès, les cèdres, franchement c'est clairement pas beau du tout. Et comme j'avais fait, regardez ça, c'est ça que je voulais vous montrer, évidemment des pousses de différentes tailles, et ben ça va pas du tout, c'est pas très très beau. C'est pas très très beau, donc je me suis dit que j'allais pas toucher pour l'instant et que j'allais attendre de faire la vidéo avec vous pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, et ben pour vous en parler et puis pour que vous puissiez vous me donner aussi votre avis. Moi je pense qu'à mon avis, je devrais laisser les sapins que d'une seule taille ou pas du tout mettre de sapin. Mais c'est bizarre quand même de pas mettre de sapin, enfin de cèdre, je sais pas ce que vous en pensez. Soit j'enlève. C'est simple, soit j'enlève carrément tous les cèdres et je laisse vraiment une déco totalement de glace. Et puis après, bon, on a les cèdres qui sont de l'autre côté chez Sven et chez Bibi. Ou autrement, et ben tout simplement, et ben j'enlève les pour arrêter la repousse derrière, parce que c'est ça en vrai réellement qui fait bizarre. Parce que si on regarde ceux qui sont tout seuls, c'est pas hyper gênant non plus, quoi. C'est pas hyper gênant et j'ai essayé... de mettre autour, vous savez, le motif correctement, c'était pareil. Franchement, ça faisait exactement la même chose. Donc en vrai, ça changeait pas grand-chose, c'est pas terrible. Par contre, le motif, franchement, pour devant chez elle, je le trouve incroyable, ce motif, je le trouve magnifique. Et en vrai, vous avez vu, c'est pas super beau sur les côtés quand même, mais ça me dérange pas plus que ça. J'ai vraiment oublié le dessous des deux piliers de chaque côté, quoi. Purée, je suis vraiment une tête de linotte. C'est un truc de ouf. Bref, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce motif. Vraiment, ce motif, je trouve incroyable. Il est magnifique. Je suis hyper contente. Et je trouve qu'il fait hyper Disney. Il fait vraiment Disney. Et je trouve qu'il va grave bien avec les items. Je trouve que les couleurs sont très, très bien ensemble. Et je suis très contente d'avoir ajouté des gyroïdes. Du coup, j'ai pas touché à la patinoire. J'ai laissé tel que. J'ai juste, voilà, mis bien le motif tout autour. Et voilà ce que ça donne pour le motif. Bah, n'hésitez pas à me dire, c'est surtout pour les cèdres en fait, pour les sapins, que c'est en train de me poser un petit souci et que franchement c'est pas ouf du tout quoi. C'est vraiment vraiment pas ouf. Bref, pour la transition, si vous avez des petites idées, et ben n'hésitez pas à me les faire connaître dans les commentaires de la vidéo. Je regarde juste s'il n'y a pas une bouteille à la mer, c'est un fragment d'étoile. Et je vous montre un petit peu, j'ai commencé la déco de chez... De chez Fanny pour La Belle et la Bête. Et du coup, j'ai pas continué la déco de chez Vaiana, parce que je vous avouerai que eh ben, je suis un peu bloquée. Ouais, pourtant j'ai vu pas mal de choses et tout, et j'avais avancé un peu, mais je vous avouerai que là je suis un peu bloquée. Peut-être pas bloquée, mais j'avais pas envie de faire sa déco hier soir, vraiment, j'avais pas envie de faire sa déco, quoi. Du coup, je me suis dit que ben, j'avais envie de faire celle de Fanny, de faire La Belle et la Bête. Et j'ai trouvé une inspi, enfin j'ai pas trouvé une inspi, en fait c'est la seule image qui existe
un petit peu du coin de l'Appel à la Bête sur Animal Crossing. C'est pas grand chose, c'est juste, vous savez, ben, la rue commerçante. Et finalement, c'est bien celle-ci que je vais faire. J'ai trouvé le bon motif. C'est pas un motif en fait, c'est du romodile. Et il y a vraiment le romodile qui correspond pile poil au parterre qu'il y a en fait dans la ruelle en fait. Avec, vous savez, je regarde, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bouteille à la mer et tout ça. C'est quoi ce bazar? Bah, je vous montre, on arrive au bon endroit. Et ben voilà, c'est celui-ci qui va bien. Bon, là, j'ai juste posé ça en attendant. J'étais en plein travaux, j'ai absolument pas du tout fini. Mais voilà, j'ai bien commencé. Et voilà ce que ça donne. Il manque des trucs en vrai. Je me suis arrêtée parce qu'il me manquait des trucs. Oh, j'ai pas récupéré dans ma boîte aux lettres. Ah, j'ai pas tété d'un jour, donc j'ai peut-être pas récup. Attendez, vous savez quoi, je regarde très rapidement, mais je crois que j'avais pas tété d'un jour, donc j'ai pas récupéré les objets que j'ai achetés. Ah, yes, c'est pas les objets d'hier soir. Et ben, vous savez quoi, j'aimerais bien les récup, du coup je tétais et on se retrouve tout de suite. Ok, c'est parti, je me dirige la boîte aux lettres. Ah là là. Alors du coup, j'ai récupéré en fait, vous savez, des plantes, voilà, c'était des plantes, des frênes, bon ça c'est Route 66, la musique de Kéké, et j'avais un volcan, et du coup comme je n'avais pas catalogué, et ben je l'ai acheté, comme ça au moins je le catalogue, et il est juste incroyable, on va le regarder ensemble, parce que franchement, il est juste totalement ouf, et il y a ça que je ne vous ai pas montré, attendez, je vous montre, ah là 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 là, j'ai enfin trouvé les clôtures. Les clôtures que je cherchais, les clôtures épineuses. Voilà, du coup j'en ai posé quelques-unes ici. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'aime bien. Et j'ai les arbres, évidemment, qui ont commencé à pousser. J'en ai déplacé quelques-uns. J'en ai déplacé quelques-uns parce qu'il y en a quelques-uns qui n'allaient pas pousser. D'ailleurs, il y en a un qui va pas pousser, qu'il va falloir absolument que je regarde. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait le tour des plages. Mais en fait, ça servait absolument à rien du tout de faire le tour des plages, vu que j'avais déjà récupéré la bouteille à la mer et aussi le fragment de gyroïde. Mais regardez, celui-ci va pas pousser. Celui-ci poussera pas. Peut-être le décaler d'une case. Mais je suis pas sûre, en vrai, peut-être qu'il n'est pas du tout bien placé ici. On va voir. Est-ce que si je le décale comme ça d'une case ici, non, je voulais le décaler de là, voilà. Est-ce que ici il pousserait? Je sais pas. On va le planter et puis on verra bien. Puis s'il ne pousse pas, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tac, on va reboucher. Et ah bah vous savez quoi, on passe très rapidement chez les petits choubidous d'amour du coup pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vendre aujourd'hui. C'est parti. Hello les petits choubidous d'amour. Alors attendez voir. J'ai déjà le fauteuil là. Ça aussi, ça aussi. Oh, ça c'est magnifique. Et je pense que je ne l'ai pas, le présentoir à gâteau. Il est incroyable. Oh, il est incroyable, j'achète. Je sais pas si je l'ai catalogué ou pas, mais en tout cas, il est juste magnifique cet item. Et puis le micro-ondes en blanc. Je sais pas du tout, c'est pas grave. Vous savez quoi, j'achète comme ça au moins, et ben comme ça au moins je l'ai. Et si je l'ai en double, en triple, et ben c'est pas grave. Ok, c'est cool, merci. Et ben voilà, petit shopping, très sympathique. Allez, salut. Ok, on fait du petit shopping, on est rapide pour le shopping. Bref, il y avait une chose aussi que j'ai totalement oublié de vous dire. En fait, j'avais envie de vous en parler, et puis finalement, je vous en ai pas parlé. Et j'en ai parlé la dernière fois sur la fin de ma vidéo, mais je sais bien que tout le monde ne reste pas jusqu'au bout des vidéos. Il y en a plein qui s'en vont bien avant. Et bref, du coup, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il fallait arrêter de me dire... de me demander si j'allais continuer ou pas Animal Crossing. Évidemment que je continue Animal Crossing. C'est pas parce que de temps en temps j'ai envie de jouer à un autre jeu que je fais de temps en temps des lives Pokémon. Et puis même si je faisais d'autres lives, des lives sur les Sims, ou que j'avais envie de faire des vidéos sur d'autres sujets, et ben ça veut pas dire que je vais arrêter Animal Crossing. Donc s'il vous plaît, soyez sympa et compréhensif, arrêtez de me dire « Ah non, mais tu vas arrêter Animal Crossing !» alors que c'est pas vrai du tout. J'ai jamais dit que j'allais arrêter Animal Crossing. Enfin voilà quoi, c'est important que je vous en parle parce que vous êtes beaucoup à me dire et j'ai pas mal supré les commentaires parce que ça m'agaçait de ouf que vous marquiez ça et que vous soyez totalement paniqués. Je pense que vous jouez tous à d'autres jeux et vous avez le droit de jouer à d'autres jeux. Et ben moi aussi j'ai le droit de jouer à d'autres jeux quoi. Bref, voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous faire passer parce que franchement c'est hyper... C'était hyper lourd d'avoir je sais pas combien de messages. Alors je sais que c'est les tout petits qui font ça et que les autres ne le font pas, mais j'ai eu vraiment pas mal de messages comme ça et je les ai supprimés parce que ça m'agaçait de ouf quoi. Bref, du coup, je récupère ça parce qu'en fait les stands ne me plaisent pas.
J'ai mis ces couleurs-là, je sais pas ce que vous en pensez, je trouvais que c'était pas mal du tout. On va voir, j'ai pas les motifs encore des mises doigts de fée. Il va falloir peut-être que je les rush parce que du coup, eh ben, je suis un peu coincée. Et puis, j'ai pas spécialement envie de télécharger d'autres motifs. Parce que j'en ai déjà remarqué, ça c'était pas mal. Moi j'aime bien, attendez voir. Ah là, ouais, normal, naturel c'était pas mal. Peut-être que... Ah c'est pas mal hein, avec les verts, rouges. Ça c'est trop coloré. Dans mes motifs à moi, il n'y a rien qui irait, hein, évidemment. Attendez, je vérifie quand même. Non, 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 évidemment qu'il n'y a rien qui va. Non, en vert c'est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Je pense que les stands de ce côté-là, je vais en mettre que deux. Et il y a un truc qui me manque, c'est, vous savez, il existe une charrette fleurie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, il faut absolument une charrette fleurie parce que c'est ce qu'il y a aussi. Eh ben, il y a des charrettes de poser. Il y a des petites charrettes. Peut-être que je la mettrai ici la charrette. Bon, voilà ce que ça donne un petit peu plus ou moins. Peut-être que c'est trop les stands. Il y en a peut-être trop des stands, hein. Attendez, et si on faisait plutôt... J'enlève ça et ça. Peut-être que un stand de chaque côté, comme c'est pas très grand, ça suffirait largement, hein. Attendez, on va essayer de placer, voir. Non, c'est pas celui-ci, j'aimerais bien celui avec... Et ben voilà, c'est celui-ci que je cherchais, c'est parfait. Je pense que c'est mieux comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pas mal comme ça, hein. Ici, je mettrai la charrette fleurie. Peut-être que je la craft, j'en aurai besoin de plusieurs couleurs. Et j'en mettrai une autre ici. Ensuite, je réfléchissais à des fleurs, évidemment des roses. Alors, j'ai le choix entre rose rouge ou rose jaune. Je vous avais posé la question, je crois, mais vous m'aviez pas répondu. Qu'est-ce que vous pensez? Je mets quoi, rose rouge ou rose jaune sur par terre? J'aimerais bien en faire, en mettre un peu sur le tour de chez elle. Je sais pas du tout, c'est hyper petit, du coup c'est un peu étriqué. Et je pense qu'à mon avis, on va mettre d'autres stands, genre là. Bon, j'ai pas fini de faire le motif correctement, mais je le referai bien. Hein. Genre un petit stand comme ça ici. Je mettrai bien un stand ici aussi. Oh, je sais pas si ça va faire bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que j'ai fait. Là, faire comme ça, un petit truc commerçant. De toute façon, je vois pas ce que je pourrais faire de plus ici. Hein. Ouais, je pense qu'on va partir sur une rue commerçante comme ça. Il doit me rester les stands encore, me semble-t-il. Le volcan. Ah, faut qu'on regarde le volcan à quoi il ressemble. Stand. Hop. On n'est pas obligé de les serrer, les stands. Hein. On peut les mettre comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre ici? Le griffin, ces machins et tout ça. Ah, oh, ça fait un peu bizarre, hein. Peut-être que je devrais... Ouais, mais après, ça va pas être aligné. C'est pas grave si c'est pas aligné à ça, hein, peut-être. Hein. Attendez, on va légèrement, parce que ça fait vraiment trop bizarre. Hein. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Cocorico ! Attendez ! Si je poussais ça comme ça un petit peu plus... Bon, là, je crois que je suis au max. Et que je faisais comme ça... C'est un peu décalé. Oh, c'est un peu décalé, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça fait... Ah, oh, je sais pas si c'est terrible. Hein. Ça, si je... Oh là là, c'est un peu dur ici. Hein. Oh, c'est un peu dur, faut trouver bon placement. En vrai, ça me dérange pas, moi, que ce soit un peu décalé. C'est pas très très grave. Franchement, en vrai, c'est pas grave. Hein. Et ben, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Tout ça, dis donc. Hein. J'ai trop trop hâte. Bref, ici, on peut se mettre peut-être une plante. J'ai un chef-feur machin. Un chef-leurat. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Peut-être on va le pousser un peu plus. S'il est caché, c'est pas grave. Faut juste que, voilà, que ça fasse une petite illusion, quoi. Je regarde, mais je crois que je peux pas placer autre chose avec vous ici. Ça, c'est ce que je viens d'acheter. Ah, le volcan. Je veux absolument voir à quoi il ressemble. Évidemment, on va pas le mettre là. Hein. Je pense que ça doit prendre grave de la place. Hein. Oh, waouh. Waouh, non mais il est incroyable ce volcan, il est incroyable, hein. Il est magnifique, on regarde un petit peu le tour, oh, waouh, non mais il est, oh là là, mais il est impressionnant, oh, purée, oh j'adore de ouf,
Voilà un petit peu pour les nouveautés de Lille, ce que j'ai un petit peu bossé hier. En vrai, franchement, je dis un petit peu bossé, mais tout enlever de chez Blanche et tout refaire, je vous avouerai que c'était, oh là là, c'était long. C'était très 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 long. Et du coup, bah, n'hésitez pas à me dire pour les cèdres, qu'est-ce que je fais du côté eh bien, de chez Elsa. Et n'hésitez pas à me dire pour mon petit coin ici, qu'est-ce que vous en pensez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Oh, je suis trop deg, j'avais une île. Je voulais absolument aujourd'hui, c'était pas censé faire cette vidéo là. Je voulais absolument en fait visiter une île avec vous. Et en fait, j'ai été la visiter avant. Et franchement, je suis genre dégoûtée, elle est pas ouf. C'était une île avec que des vilains de Disney. Et oh là là, l'idée me hypait de ouf. Genre, imaginez une île avec que les méchants de Disney. Il y avait Cruella. Enfin, vraiment, ça avait l'air incroyable. Et franchement, l'île, elle est pas ouf du tout. Elle est même claquée au sol. Oh, j'étais hyper déçue. J'avais tellement envie que ce soit incroyable. Et ben, ça ne l'était pas du tout. Et j'étais un peu dégoûtée. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, si vous aimez Animal Crossing, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like pour soutenir, ça fait super plaisir. Et moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis.